Oh, mon canapé, il arrive. Je voulais vous montrer parce que je suis censée déménager genre dans deux... Attends, je vous ai même pas dit bonjour. Bonjour. Je suis censée déménager genre dans deux jours. Moi, j'ai l'impression que rien n'a avancé. Il y a encore tout. Juste le seul truc que mon père a changé et a mis là-bas, mon rétroprojecteur. J'ai même pas de lit dans l'autre appart. Mais de toute façon, je vais vous montrer. Mais j'ai déjà le rétro. Il y a quasiment rien qui est arrivé. J'ai eu que des galères. Mais j'ai pas envie de me plaindre. Donc on s'en branle. Non, on s'en branle pas. On s'en branle pas, mais ça me tend un petit peu quand même. Non, sérieux, vraiment, j'ai eu que des galères. Ça me vénère. On a dit qu'on n'en parlait pas. Tu peux te pouette-pouetter la bouche, Marine. En tout cas, Il y a déjà tous ces cartons de fées. Une chose est sûre, je suis ce carton. Et ça fait super longtemps que j'ai pas pleuré. Par contre, oui. On est toujours sur des yeux, je sais pas ce que j'ai. Mais ça sent pas bon, mais je fais l'autruche. Je mets ma tête dans le sol sale de chez moi. Et je verrai ça après. Parce que la dernière fois qu'il m'arrivait un truc au niveau des paupières, on sait très bien comment ça a fini. Et j'ai l'impression que mes paupières, c'est mon cerveau qui essaye de me dire un truc en mode Marine, ça ne va pas fort. Du coup, aïe, je shoot dans des choses continuellement. Du coup, bref, je m'autrichise, je ferme mes oreilles, je n'écoute rien, je mets juste de la crème spéciale eczéma parce que si ça se trouve, c'est juste de l'eczéma. Mais en vrai, ça fait quand même quasiment un mois que ça dure et que je mets de la crème spéciale pour des irritations de paupières. Ça ne fonctionne pas, donc il s'agirait d'aller voir un médecin, Marine. J'ai pas le temps. On a un canapé à aller chercher. Bon, allez, je ferme ma gueule parce que sinon, j'arriverai jamais avant que le livreur il arrive. J'espère que ça résonne pas trop. J'ai changé de micro parce que c'est encore super vite comme vous pouvez le voir. Mais ça y est, les livreurs ils viennent de m'appeler donc je vais recevoir mon canapé. J'ai pris un canapé d'angle. Pourquoi je garde mes trucs là? Alors, je reçois mon canapé, après je vous montre les trucs qu'on a fait avec mon père et tout. Bon, il y a quasiment rien à montrer. Hein. Donc j'ai choisi un canapé d'angle, forcément, c'était mon rêve. J'ai hésité à reprendre velours côtelé parce que en fait, peut-être ça fait un petit peu pitié de dire ça, mais je trouvais que mon canapé était vraiment un élément symbolique de mon ancien appartement et j'aimais trop, je trouvais que c'était trop beau. J'ai hésité à prendre un canapé beige parce que en vrai, est-ce que là on va parler pendant 20 minutes de mon choix de canapé? C'est exactement ce qui va se passer, d'accord? J'ai hésité à prendre un canapé beige parce que comme on est dans des bails un petit peu des petites couleurs un peu nude, beige ça va avec tout, c'est trop beau. Mais en fait je trouve que, bah désolé mais on s'ennuie, ça manque de... Ok. Et en même temps, je voulais pas reprendre un canapé marron parce que bah, pendant 3 ans, j'ai le mien que je vais garder, je vais le mettre dans la chambre d'amis. Mais je donne trop d'infos, personne comprend, Marine. Bref, j'ai pas voulu reprendre marron, j'ai voulu du changement. Et j'en ai vu un. Hein. Je vous dis pas la couleur. Je fais du teasing dans mon propre teasing. Tout le monde s'en carre le cul, Marine, de la couleur de ton canapé. Mais moi, c'est super important, je trouve. Ça donne trop du dynamisme à la décoration d'intérieur. Valérie D'Amido, calme-toi. Donc, il va arriver là. J'ai pris un canapé qu'on appelle modulable, c'est-à-dire que chaque truc, tu peux les changer de place et tout pour faire un petit canapé, un grand canapé. Bref, vous allez voir. Je m'efforce toujours à raconter des choses que les gens ne comprennent pas alors qu'il suffit d'avoir le visuel pour comprendre en 3 secondes. Donc bref, j'ai peur que ce soit trop gros. En fait, c'est un canapé d'angle et avec, il y a du coup une espèce de pouf que tu peux coller. La ferme, montre. Je sais pas si on se rend compte. Mais quelle dinguerie, je suis outrée. Je suis essoufflée de bonheur. J'ai pris un truc, comme je vous ai dit, modulable. Attendez, parce que je vais prendre mon trépied. Voilà, comme ça on voit mieux. Ça, genre c'est un pouf. Du coup, quand il y a des invités, pète sa mère. Et là, du coup, ça c'est genre un fauteuil. Il est super confortable, je suis super contente. Sachant que ce fauteuil, à la base des bases, c'est possible de le mettre entre les deux gros trucs là. Normalement, le fauteuil, je peux le mettre là si je veux faire un giga canapé. On verra plus tard en fonction de si je change d'avis sur comment j'organise la pièce. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris un canapé modulable. C'est que c'est pète sa mère, si je change d'avis, je pourrais toujours changer. Mais à la base des bases, genre là, j'ai envie de mettre mon meuble avec genre mes vinyles et tout. Du coup, si je rajoute cette partie fauteuil entre les deux, le canapé, il touche quasiment le mur. Du coup, bah, ça marche pas avec mon idée de base. Je crois pas. Peut-être que si. En vrai, je sais pas. J'en sais rien. Mais on verra après. Parce qu'en fait, là, j'ai besoin d'avoir tous mes meubles et tout pour voir comment j'ai envie de faire, quoi. Mais quelle dinguerie. Et le fait que je puisse mettre ça comme ça, que ça fasse un giga carré moelleux, bah, ça, j'adore. Je peux faire mes roulades.
Pète sa mère. Je suis trop contente. Et du coup, bah oui, la couleur, j'ai pris vert. Je voulais un vert. Je vous ai pas dit, je l'ai pris chez Bobo Chic. La base, je suis une influenceuse. Ce modèle-là, il y avait velours côtelé, normal, genre en mode tissu lisse, bouclette. Et je trouve bouclette, c'est trop la tendance du moment. Mais du coup, je me dis, peut-être je vais m'enlacer. Puis surtout, je sais pas, genre ça me. Je crois que ça me fait peur les couleurs claires. Parce que moi, je suis quand même un petit cochon. Je me connais. Je fous des miettes partout. Je vis quand même avec oseille. Donc en vrai, on sait jamais. Il suffit qu'il y ait du caca. Non, mais. C'est des choses de la vie dont il faut prendre en considération. Il suffit qu'elle s'est mal lavé le fion et qu'elle pose son fion sur mon canapé beige. Personne ne veut vivre avec du caca sur son canapé. Vraiment personne. Là, il y en aura potentiellement, mais personne ne le verra. Promis, il n'y a pas du caca sur mon canapé. Promis. Bref. Ce canapé est aussi grand que mon ancien appartement. Je pète mon crâne. Trop hâte d'habiter ici. Vite. J'ai vraiment la patience d'un enfant de 3 ans et ce déménagement est long. J'ai envie de... Et il est super confortable en plus. Ça sert à quoi d'avoir un lit quand tu peux dormir là-dessus? Du coup, je suis trop contente parce que là, je vais avoir cher découchage pour inviter des gens. Ce qui me manquait vraiment beaucoup dans mon ancien appart. Bref, je vous ai pas montré du coup tous les nouveaux trucs là qu'on a fait avec mon père, qu'on a reçu. Il y a quasiment rien, calmez-vous, vous allez être déçus. Mais du coup, giga canapé, pète sa mère, rideau partout. Et ça, vraiment, on sous-estime le temps que ça prend, que mon père a dû mettre toutes les tringles sur toutes les fenêtres du couloir, de là, de la chambre. Bravo monsieur, sans vous, je ne serais rien. Du coup, on a fait ça. Ah, mais oui, mais attendez. Oh non, mais par contre, ça se fait pas. Cette table ne mérite pas d'être présentée sous cette forme. Elle est incroyable. Mais comment j'ai pu oublier? C'est le premier truc que j'ai commandé. Parce que c'était mon rêve. En fait, voilà, j'ai reçu mes deux rêves en premier. Donc, je suis trop contente. Le canapé et là, la table. J'ai pris une table. T'es ma comment c'est beau. Pète sa mère. Mais vas-y là. On peut pas apprécier le produit. Regardez, c'est une giga table en bois. Elle fait, je sais pas si vous vous rendez compte, elle fait 2m20. 2m20, les gars. Genre, je peux littéralement me coucher dessus. Donc, j'avais envie d'une table vraiment en bois massif comme ça. Et en fait, je kiffe. J'ai trouvé celle-là. Où en fait, ça fait. Tu sais, on dirait le tronc d'arbre, il est de manière naturelle comme ça. C'est pas vrai, évidemment, c'est... Hein, je suis pas débile. Mais j'aime cet aspect un petit peu naturel. J'ai envie des choses de caractère. Je vais mettre un côté avec un banc et l'autre côté avec des chaises. Mais j'ai pas envie d'acheter des chaises genre Ikea ou quoi. J'ai envie d'acheter des trucs avec du caractère, tu vois, du cachet et tout. Je sais pas pourquoi je fais des tours de table. Mais du coup, attendez, on va tester quelque chose. Oh, vous tombez. Je suis trop contente. Je suis trop excitée, il faut que je... Me calme mon cul. Mais là, le bonheur il est là, là. Donc là, je vais prendre un petit banc. Il faut que je prenne un banc. Mais ce pouf est confortable. C'est fou. Je vous ai montré les pieds de ma table. Je n'arrive pas à me concentrer sur un seul sujet. J'ai hésité avec du coup une table avec des 4 pieds quoi. Des pieds basiques. Mais en fait, je trouve. Quand tu rentres, bah en fait, je trouve le pied. Bam. Touk. J'adore. Là, je vais mettre un lustre. Pète sa mère là. Bim. Oh là là, ça va être trop beau. Donc voilà. Ici, bah, je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre là? En vrai, on a fait des trucs. Là, je sais pas si vous vous souvenez, c'était vide. Pète sa mère. J'ai trouvé ce meuble qui rentre parfaitement. Parce que, en vrai de vrai, il y a que 3 et le dessous du truc en rangement. Après, il y a vraiment plus rien. C'est pas énormément et du coup, j'ai pas de garde-manger. Et du coup, faut que j'achète des poignées. Oui, bah, on est dans un emménagement. Tout n'est pas en claquant des doigts, on se calme. Garde-manger. Ah, faut vraiment que j'achète des poignées. Bon, bref, c'est un tiroir là. Donc, pète sa mère parce que j'avais pas de tiroir pour mettre mes couverts. J'apprends trop de détails. Pourquoi aussi c'est pète sa mère? Ça me fait un plan de travail. En plus, pour faire des vidéos ou des lives ou des trucs de cuisine, plus il y a des trucs pour brancher, donc j'ai passé vraiment un câble dans la vieillesse pour m'acheter genre des trucs d'électroménager style des blenders, des trucs comme ça. Parce qu'en fait j'avais pas la place dans mon autre cuisine. Ouais, vais-je commander un Thermomix à Noël? C'est une possibilité. On est qu'en janvier, Marine, t'as 12 mois pour y réfléchir. Je sais déjà que je vais demander ça. Ah oui aussi, on est sur du détail. On a changé le lustre avec mon père qui éclaire. T'as jamais vu une lumière qui éclaire comme ça, hein? Je sais pas si vous voyez la différence. Il y a 3 types de couleurs. Je suis heureuse pour le moindre détail. Ça c'est blanc. Ça c'est chaud. Jaune chaud. Non, ça c'est blanc, chaud, normal. Vous avez vu la différence? Vous, vous la voyez pas dans la vraie vie, je vous jure que ça se voit de ouf. Plus, ça, je me suis fait baiser, j'ai cru que j'avais pris un truc avec une installation. Pas du tout. Le gars m'a posé le carton, il a dit au revoir madame. J'ai dit mais monsieur, vous me le posez pas? Il a dit bah faut payer. J'ai dit j'ai payé. Il m'a dit vous avez pas payé le bon truc. Je suis allée me faire foutre. C'est une hotte. Hotte qui sera placée là. Ça, on s'en branle un peu. Je pense que ça vous intéresse vraiment pas pour le coup. Team up pour mettre le four, on en a rien à foutre également. Quoi d'autre? Dans la chambre, il y a tout et en même temps il y a rien. J'ai reçu mon dressing, enfin. Ikea, je vais vous péter votre gueule. Permettez-moi de... Hein. Donc j'ai reçu mon dressing, mais du coup ça en fera la semaine prochaine. Je sais pas encore lesquels, mais il faut que je trouve des rideaux pour du coup cacher le dressing et faire genre vraiment tout le mur entier de dressing. J'ai reçu le lit, sauf qu'ils se sont trompés, ils m'ont pas envoyé la bonne tête de lit. Donc, Omifab...
attendez, je vais appeler le service client. Donc j'ai trop la haine, je peux même pas le monter. J'ai repris un lit coffre, mais je peux pas le monter parce qu'il y a besoin de la tête de lit pour faire la structure. Ce qui paraît extrêmement logique. Sachant que j'ai réussi mon matelas. Et alors là, mon matelas, c'est le meilleur matelas que j'ai pu acheter de toute ma vie. Je pense que j'ai vraiment un don pour l'achat de matelas. Non mais vraiment, il faut reconnaître ses qualités dans la vie. Je sens quand le matelas, il a du potentiel. Sachant que du coup, j'achète mes matelas sur Amazon, ce qui est quand même extrêmement risqué. Je l'avoue, j'ai pris un 180 sur 200, ce qui est énorme. Regardez toute la place que j'ai. Il y a beaucoup de place. S'il y a des volontaires, on n'hésite pas. Parce que vraiment, on a plein de place. On peut vraiment mettre des gens à côté. Trop confortable. Bon, j'ai pas dormi une nuit entière dessus, mais là, il y a un truc à mémoire de forme là-dessus. Sachez que je m'enfonce, mais très légèrement, c'est très agréable. Je suis comme dans un nuage. Oui, la pub. La pub Kinder, là, où ils sont dans le train et ils sont dans un nuage. C'est moi sur ce matelas. Si vous avez pas la rêve, c'est pas mon problème. Du coup, ce matelas pète sa mère. Voilà, et quoi d'autre? Dans la salle de bain. Pareil, on a changé. Sauf que là, on a mis un truc encore plus pète sa mère. Moi, je prends mes bains. J'aime bien avoir un petit mood. Attendez, parce que je crois que je peux mettre en mode boîte de nuit. Y'a pas de musique! Trop bien! C'est des petits détails, des détails qui coûtent un peu cher quand même, donc j'ai le droit d'être content. Je peux mettre blanc, chaud, sachant que du coup pour se maquiller... C'est vraiment des détails de pétasse, mais c'est important de se maquiller avec de la lumière blanche. Donc voilà! Bah c'est tout quoi, hein. Je crois qu'il y a rien d'autre. Ah bah si! Et ça je vous l'avais dit, mon père a installé le rétro. On attend vraiment plus que le lit au Mifab, hein! Vraiment tout ce qu'on attend. Et ensuite, je pourrais dormir là. Donc écoutez, bah pour le moment, je crois que vous savez tout, hein. Je vais vous laisser et je vous retrouve quand j'ai d'autres trucs à vous montrer. Bisous. Ne serait-on pas à nouveau dans un bourbier? C'est ton nouvel appartement, mon bébé. J'ai pas compris. Mon papa, je crois que la mission litière, c'est un échec, hein. C'est vraiment too much. Il paraît minus. Une petite story time sur ce déménagement. Ok.